Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Stagar pour une nouvelle vidéo sur Victoria 3. Dans le dernier épisode, on s'était laissé sur un marché grec et une révolution qui s'était un petit peu améliorée. Voilà, et là on va essayer d'augmenter un petit peu notre capacité de production légèrement. Alors, est-ce qu'on peut améliorer nos outils? Oui, pour les outils en acier. Le problème, c'est que je crois qu'on n'a pas d'acier. On manque d'acier, on manque atrocement d'acier. On n'est pas si bien que ça en acier, ok. Alors, avant qu'on règle l'acier, on va voir les meubles. On peut faire du mécanisé. Ouais, on va faire ça clairement. Et ensuite, est-ce qu'il y a un truc qui rapporte du tissu? Parce que là, franchement. Oh, ça fait des. Ça fait ça, ok, c'est pas cool. Donc là, il nous manque juste de l'acier. Énormément d'acier, beaucoup d'acier. On va clairement l'importer, l'acier. On n'a pas ce qu'il nous faut. Du marché russe, oui. Du marché français, ici. Hop, hop. Et on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Alors, on augmente un petit peu nos loyalistes. Alors après, franchement, c'est qu'une question de sous après, parce que franchement, là, on a mal tout ce qui nous fait un caca nerveux là. Vous avez des troupes, vous, non? Vous avez 2 et 4. Ouais. C'est quoi cette connerie là? Je crois qu'on manque plus de fer, ce qui. Enfin, plus d'acier, ce qui est bien. Enfin, c'est encore 69, c'est pas trop bien que ça. On va accepter. Je sais pas, c'est qui a demandé. Crois que c'était Banjar. Je sais plus. Ça, on va devoir amener notre armée d'une manière ou d'une autre. Donc bon. On l'a mobilisé ou pas? Ah putain, on l'a mobilisé. On va prendre un maximum de sous. Donc clairement. Voilà. On va essayer de faire en sorte d'avoir un petit peu d'argent quand même. Ouh, trésorerie qui perd beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas si grave que ça. C'est pas du tout si grave que ça. Usine de textile, ok. Alors est-ce que du coup on va être bon en textile? Enfin, oui, en textile. Mais y compris quoi, en vêtements? Ouais, on est très très bon en vêtements. Ok, super, on n'a même pas besoin de prendre une autre. Ok, super. L'Argentine améliore ses relations. Est-ce que l'Argentine ne veut pas. Pas adhérer à l'Union européenne? Alors, faut pas qu'ils finissent tout ça. Parce que sinon, ça va être un problématique. On gagne rien, mais c'est pas si grave que ça, honnêtement. Ok, on peut activer l'opium. On va activer l'opium. 6 millions de population, c'est pas mal. On avait beaucoup plus avant, mais honnêtement, vu qu'on a libéré tous nos sujets, notamment Kalimantan. C'est plutôt pas mal. Là, on arrive sur le front de Bornéo du Nord. Voilà. Et vous allez conquérir tout ça un petit peu. On va pas faire les cons quand même. On va pas perdre des milliers d'hommes. Normalement, on a ce qu'il faut. On a quoi comme. On a de l'artillerie mobile. Qu'est-ce qu'on va rechercher là? Les produits pharmaceutiques. En militaire, on peut aller jusqu'au shrapnel éventuellement? Genre abandonner les produits techno? Voilà, super. Dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Peut-être en production éventuellement. Trail posté, ça serait pas mal.
Les engrais, ce serait pas mal. Ici, on a fait le pan nationalisme, donc c'est plutôt pas mal aussi. L'épargne postale, la charte d'entreprise. C'est que des technologies de niveau 2, mais c'est des technologies qui sont vachement utiles quand même pour avoir nos premières entreprises. J'ai putain de chaud. Vraiment, j'ai très 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 chaud. Ah, super, on a fait ça. On va démobiliser tout de suite. Hop. Ah, on a un changement de roi. Philippos Poutsias. Ok, il est traditionnaliste, ce qui est plutôt pas mal en soi. Ah non, c'est pas... C'est nul en fait. C'est nul de fou. Mais il est apprécié. Il est très apprécié. Alors qu'est-ce qu'il est? Comment traditionnel? Ok, il est direct. Plutôt pas mal. Good Lux, qui est plutôt pas mal sauf pour le fiscal. Ok. Bah ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien de fou. Voilà, super. Ce que j'aimerais bien quand même faire, c'est... Alors déjà, toi, tu as arrêté de me casser les couilles pendant longtemps. On va faire 85, confirmer, hop. Exclusion temporelle. On va laisser là-dessus. Liberté de conscience. On peut aller sur séparation totale. On va aller attendre que le mouvement là, il monte un petit peu. Comme ça, on va avoir plein de loyalistes en plus. Ça, c'est vraiment cool. Franchement, le Danemark qui se lance dans la colonisation, j'ai rarement vu ça. Enfin, je le vois pas, non, pas du tout, je le vois assez souvent, pour le coup. Ouais, non, on va laisser en impôts quand même un minimum. On augmente les salaires, mais minimum quand même d'impôts. Ça se refuse pas. Ce qui me fait chier, c'est vraiment l'Empire ottoman, là, parce que... S'il déclare, en fait, faudrait qu'il... Oh, on est 11e puissance mondiale. Une puissance importante. Ça, c'est plutôt pas mal. La France, comment vous nous kiffez, vous? Oh, le Louis d'Orléans, super. Bah, vous nous aimez plutôt bien, je crois. Hein. Cordial, voilà. Cordial aussi, ok. Les Russes aussi doivent être ça. Cordial amical, ok, super. L'Autriche-Hongrie, cordial agréable, ok, super. Les Espagnols, parce qu'on me rappelle qu'on était quand même... Ah, voilà, protectrice amicale, ok. L'Italie, médiocre, mais elle est conciliante. Et la République britannique, elle est conciliante et neutre. Parce qu'en fait, après, on aimerait bien aller dans annexer les îles éoliennes. Voilà. Il faut qu'on ait 20 de relations avec les îles éoliennes et avec la République britannique. Et ça, c'est un peu plus compliqué que prévu, du coup. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un petit coup à droite à gauche, j'essaye de me caler dessus. Comme ça, on renforce nos liens avec eux, du coup. Au niveau des institutions, on va augmenter l'éducation, ok. Et on peut aussi faire... ouais, on va aussi faire ça, faire à l'intérieur. Puis après, c'est tranquillement. Alors, au niveau des bâtiments aussi, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça se développe? Est-ce que ça se développe pas? Ok, on a fini le textile, maintenant on fait les fabriques d'outils. Alors les outils, il nous en manque un petit peu, il nous manque des céréales, ok. Il nous manque un peu de bois, un peu de charbon et beaucoup de meubles. Alors ma question, c'est pour les meubles, est-ce que j'ai déjà fait quelque chose pour ça ou pas? La scierie. Alors on utiliserait un peu moins de charbon, mais on produirait plus de... Enfin, on consommerait plus de fer.
Et ça ferait plus d'acier. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Est-ce que pour le verre, on est en manque ou pas? Parce que moi, je fais des usines de verre. Mais... Non, on n'est pas en manque. Donc, dans la construction, on va déjà enlever nos... Hop, hop, hop. Attendez. Ah, ça, c'est intéressant, par contre. Plus d'autorité, il nous en faut. Vitesse de recherche en production. Pendant 5 ans. Bon, on va clairement prendre ça. Pour le verre, on va enlever tout ça. Super. 305 semaines quand même. On va peut-être essayer de... d'accélérer tout ça d'une manière ou d'une autre. Genre dans le Péloponnèse. On va en faire 6, voilà. Hop, hop. On va ramener tout ça devant. Et moi, je voulais regarder dans les ressources, dans la production. Il n'y a rien pour faire du tissu dans cette connerie là? Contre vents et marées. Ah, ça par contre, c'est pas cool. C'est ça, c'est pas mal. C'est qu'il y a un coup. On peut rejoindre la France ou. Ou que les petits. On va rejoindre la France. Alors honnêtement, après, il y a beaucoup de techniques qui vous disent oui, faites comme ça et vous augmenterez votre argent, etc. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube qui disaient ça. Franchement, je suis plutôt d'accord en soi. Dans beaucoup de cas, on peut faire d'énormes profits. D'ailleurs, il y a une vidéo d'un youtubeur qui contrôle ces petites îles-là. Voilà. Et qui fait des millions d'euros, qui a des millions de personnes dessus, alors que c'est impossible, quoi. Donc, comme quoi, tout peut être vraiment possible. Et à côté, il y a des gens qui prennent notre Shangri et qui peuvent faire 1 million d'euros, qui prennent la Russie et qui peuvent faire 1 million d'euros, etc. Franchement. Franchement pas mal. On n'a plus que moins 5. Ah, ça avance plus trop. On a un pacte défensif avec eux. La Roumanie qui est là, qui est présente. Ok. Vraiment, ça me fait vraiment chier l'obligation. Encore 5 ans. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et pour les affaiblir, qu'est-ce qui serait sympa de prendre? Genre Aidin. Est-ce qu'ils ont des wolves? C'est bien. Ils ont 19 casernes Aidin. 24 casernes ici. Et ici, ils doivent pas grand-chose. Il y en a 0. Il y en a 0 aussi. Il y en a 0 aussi. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Udavendigar, Aidin et les îles Égées orientales. Voilà. Et il faut vraiment qu'on fasse un... faudrait qu'on essaye de faire en sorte... On essaye de faire en sorte, ouais, pas mal. Alors on perd de l'argent encore. Peut-être la construction qui nous prend beaucoup comme ça. Ouais. Mais là, vous voyez, on peut commencer à construire un peu plus vite. Enfin, un peu plus vite. Je me suis compris. Et là, quand il va être full, on passe de 32 à combien? À 21, super. Et là, on construit aussi la deuxième. Alors, on va prendre du temps à construire la deuxième à chaque fois. Mais au moins, on va pouvoir construire plusieurs choses en simultané. On perd quand même beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a des biens qui coûtent vraiment cher? Ouais, les meubles, le fer, le charbon, les engrais, l'acier. Franchement, le fer, ouais, c'est vraiment un problème. Voilà. Ok, super.
Ok, bon, c'est bien, ça avance bien. La construction de mine de fer commence. Alors, on a combien de bâtiments ruraux en mine de fer? On en a 22 quand même. Et 22, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Mais on manque tant de fer que ça quand même, c'est incroyable. Les membres de notre marché. Toi, tu ne consommes pas beaucoup par hasard? On va mettre fin à l'union douanière. Voir si on gagne quand même un peu plus ou pas. Voir si c'est pas eux qui nous bouffent notre marché. Parce que je pense pas trop. Ah, si, quand même un petit peu. Façon, il nous faut du bois aussi, donc. Peut-être faire le bois en premier d'ailleurs. Construction, ressources, camp de bûcheron. Ah oui! On est vraiment blindé là. On va attendre que ça finisse de faire le bois. Oh, on construit toi à la fois. Ah, ça c'est pas mal ça. On construit trois à la fois. Après, on verra bien ce que ça donne. Par contre, on est vraiment en manque d'argent de fou. On va imposer. Oh, un pacte défensif. Super, on accepte. Ah, je prends. Hein. Ça, on peut pas se faire attaquer, ça c'est sûr. Ok. Dans les bâtiments, du coup, les camps de bûcherons, ça va être vite fait, bien fait normalement. Voilà, regarde, même là, ça construit le troisième. Quelle est pas belle la vie. Elle a été déjà plus belle pour les Grecs, mais je pense que ouais. D'ailleurs, j'hésite à faire aussi une série sur. En fait, il y a plein de gestions que j'ai comme ça sur le côté qui sont plutôt pas mal. Ah super, en plus on fait ça, ok. Le bois normalement ça va un peu mieux. Attends, on finit la fabrique d'outils avant là. Ouais, 13 semaines, c'est pas grand chose, hein. 12 semaines. Ça a pas changé, c'est juste que le tick il est passé. Ok, alors là on va gagner beaucoup de radicaux. Restez sûr. Parce que là, si on récupère les illusionniennes, ce qui va être bien, c'est qu'on va récupérer une fabrique d'outils, de l'alimentaire, quai de pêche, beaucoup de terres arables, du développement, de la construction. Voilà. Là, si on regarde, ils ont quand même 5, une flottille, 300 000. Ils ont un PIB de combien? Juste pour rire. Ils ont un PIB de 600 000. Ce qui est un très très beau PIB par rapport à ce qu'ils ont. Et ils ont un niveau de vie de 13. De 9. Alors je comprends pas trop parce qu'il a beaucoup diminué. Alors là on paye pas beaucoup, là il paye pas beaucoup. Là il paye quand même un petit peu. Donc pendant que le niveau de vie des pauvres il augmente, le niveau de vie des plus riches il baisse. Ce qui est un peu bizarre quand même, on va pas se le cacher. Honnêtement. Non mais honnêtement. Ma question c'est est-ce qu'on peut pas laisser nos. Ouais du coup ouais, c'est super. On peut appeler Banja pour une obligation, ouais viens. Voilà. Il l'affiche même pas, il est tellement petit qu'il l'affiche pas. Le Siam aussi ce serait pas mal de le conquérir, mais bon, trop grand pour nous et trop puissant je pense. Ouais voilà, beaucoup trop puissant. Pareil, le Cambodge, ce serait pas mal. Le Dainam, ce serait pas mal. La Birmanie, ce serait pas mal aussi. Plus communément appelé Myanmar. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu de tout là-haut. Ils ont du riz, du café, du sucre. Pas du café, pas du sucre. Voilà, franchement, il y a pas mal de trucs.
France qui a conquis la Rhénanie. Franchement, ça, c'est beau aussi. Ça, franchement, c'est très, 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 très beau. Après, là, franchement, il ne reste plus que le sud à avoir. Parce que le nord, c'est pas ça qui va les emmerder. Mais autant le sud, un peu plus, je pense. Ok, alors au niveau du marché, est-ce qu'on est un peu mieux en outils? On est très très bon en outils, très très bon en vêtements. En bois, on n'est pas si fou que ça, mais honnêtement, ça va. Il nous manque du tissu, mais je sais pas d'où on le fait, le tissu. Ah, avec le coton! Avec le coton! Et nous, en plus, on a des plantations de coton. Super! On peut faire du tissu. Là où ça rapporte un max, c'est ici. Voilà. Voilà, super. Pour en faire quelques-unes. Et j'ai aussi vu que ici, au niveau du marché, au Péloponnèse, ils ont un peu de mal. On va augmenter l'infrastructure de 1. Alors là, par contre, il faudrait qu'ils attaquent. Genre Banjar, faudrait vraiment que tu y ailles quoi. Je sais que tu as. Ah, tout cela là, je sais que vous avez des troupes, alors pourquoi vous y allez pas? Genre là, sincèrement, quand on voit. Ah là, ils ont trois troupes et ils veulent pas les envoyer quoi. On va y aller. On va lever l'armée, mais que là-haut. On perd de l'argent en plus déjà. Donc. C'est la merde. C'est la merde. Moi, je vous le dis, c'est la merde. Bon là, mais franchement, ça va. Hein. Franchement, on vit. Ça va. Ça va bien. Par contre, si je pourrais aussi faire un truc, vu que le Péloponnèse en tire presque toute notre fer de là-haut. Essayer de faire la voie ferrée quand même. Parce qu'après les mines de fer, franchement, on peut s'en passer même si on en a vraiment, vraiment besoin. Créer les munitions. Ouais, le bois dur. En fait, il y a des choses que c'est un peu compliqué de faire. Là, le bois dur, franchement, je pense qu'on peut le faire, mais vu qu'on n'a pas de bois de base, ça peut être compliqué. Donc, on peut faire une route commerciale pour importer du bois dur. Voilà. Super. Qu'est-ce qui nous manque encore? Des munitions. Les munitions. Où que c'est que ça se trouve? Armes légères, artillerie. On peut pas en importer peut-être. Hein. Ah si, je suis con, j'ai le curseur dessus. Du russe. Du français. Ah vache, on gagne beaucoup là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on gagne pas mal. Ok, moins d'autorité, c'est vraiment pas ce qu'il nous faut. On va prendre le moins de vie ici. Ah, ils ont. Bon. En plus avec une révolution, super. Mais la révolution, on va s'y échapper en faisant ça. Boum. 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 Ah non, c'est une sécession. J'ai une révolution et une sécession. Bah super. On va faire ça. La sécession turque, ça va être un peu plus compliqué. Pour pas mentir. Alors, heureusement qu'on peut faire appel quand même à la Russie. Voilà. Il y a 2-3 people qui peuvent venir. C'est que dans un état, donc franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais ils ont quand même pas mal de pélos avec eux, quoi. On a quand même perdu quelques-uns de nos troupes.
Nous en manque autant là. Marché belge. Marché. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Oui, viens. Parce que toi, je sais que tu vas pouvoir envoyer des troupes. Voilà. Priorité à l'importation, mais il en manque autant que ça. Là, c'est vraiment pas cool, les gars. Vous me mettez dans une sauce pas possible. Là, par exemple, c'est la merde. On peut avoir trois gars en même temps. Et ça, c'est vraiment pas cool. Mais alors, vraiment, vraiment pas cool. De toute façon, là, les Russes vont se battre à notre place. Donc, à la limite, on s'en bat les couilles un petit peu. Là, on va dire, oh, on vous aime. Ok, super, on est passé en considération, c'est déjà pas mal. Une guerre civile, je sais. Non? C'est tout? Genre là, c'est tout. On est arrivé, on a posé le pied à terre, ils ont dit ok. Ah franchement, je m'attendais pas à ça, je suis très déçu. Partir en avant. Ok. Donc comme d'hab, on va partir sur de la protection, hein. Tant qu'à faire. Et on va se laisser dans ce petit merdier pendant un petit moment. Parce que je vais vous laisser ici, moi. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Ça fait toujours un bien fou de voir qu'on est toujours autant à suivre les vidéos, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, sur Discord, voilà, ou si vous voulez communiquer, ou même qu'on joue ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à beaucoup de choses. Je vous invite aussi à regarder nos lives. On n'est pas beaucoup dessus et franchement, avec tous les vues qu'on fait, on devrait être un petit peu plus. Alors c'est pas un appel que je fais, je suis pas du tout un crevard en train de réclamer, mais ça peut être vraiment sympa aussi, parce que ça permet d'être en direct et tout avec les gens. Ce qui est vraiment sympa. Et sur ce, je vous souhaite beaucoup de bien. On se dit à la prochaine. C'était Stagar. Allez, salut!